Tu commences à entendre maintenant des espèces de bruits de pas très lourds, au point que la terre, enfin le sol commence à trembler légèrement, même de là où t'es. Je te chie Oula. dessus. Tu Alors vois, je me mets au coin. Attends, je vais te montrer sur tu la vois, carte. l'eau dans tes pas commence à bouger là, tu vois, c'est comme dans Jurassic Park. Comment est-ce que tu fais pour marquer un point sur la carte? Tu fais T'es un foutu, écho. mon vieux! T'es foutu! Là, je me mets au coin du couloir avant de monter les C'est le escaliers. tyrannosaure qui passe Tu dans te les mets couloirs. là, quoi. Exactement. Je me mets là et j'observe le bout du couloir, tu vois, parce que, ok, bon, je panique un petit peu. J'entends bien qu'il y a quelque chose qui s'amène et qui est visiblement pas très doux. Mais je suis quand même curieux de savoir comment est-ce qu'il va passer outre ce piège. Le piège est terminé maintenant, hein. Les lames sont encore sorties, Mais si mais elles ne si bougent quelque plus. chose va s'amener jusque chez moi, il va bien devoir marcher dessus. Enfin, c'est au milieu du couloir, hein, c'est pas au niveau des pieds, donc c'est passé soit au travers, soit faire quelque chose d'autre. Mais, donc fais-moi un peu un jeu en perception, une fois au bout du couloir. Il y a Francis Cabrel qui dit qu'il y a de la lumière au bout du couloir. Tu arrives à voir au bout du couloir, en fait, que ici, attends, je vais le dessiner, ce serait plus simple. Que t'as le couloir qui fait comme ça, derrière. Et tu vois plus ou moins qui se tient ici. Ce qui a l'air d'être un homme. C'est dans l'obscurité, donc tu vois pas très bien, mais la taille, c'est la taille d'un homme qui a l'air d'être en train d'incanter quelque chose. D'accord. Tu vas crever. Au moment où tu regardes, tu vois qui arrive. Attends, on va attendre que Tom soit là comme ça. Non, tu vas voir, Suspense. il va rentrer en ligne de jeu tout de suite. Continue. Ah bah il vient deux fois. Bon, mais à mon avis, il n'a pas compris qu'on était sur. Il fallait se connecter une fois sur Google et une fois sur, Roll20. Alors, il se connecte deux fois sur Google. Qu'est-ce que tu racontes? Je te vois connecté Tu deux dois aller fois, sur Tom. Ouais, Roll20. Tu dois aller sur Roll20. non, mais il a planté, je sais pas pourquoi. Ouais. Oh, c'est de la merde, c'est pour ça. Bah, de toute façon, on ne te voit pas. Et vous jouez ou pas? Bah oui, Ah oui? on est live. Là, t'es mort d'ailleurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Hello, bonjour. Bon, je reviens et je sors. Oui, sort. Oh non, c'est pas possible, ça recommence cette histoire. Ouais, on recommence à avoir les céréales. Ah ouais, dis. Quelle céréale? Oui, quelle Les céréale. croquettes, pardon. Les croquettes Vitamix pour chat, là. On demande à un spécialiste de nourriture alimentaire, C'est pas des les gros whiskas? enquêtistes, s'il vous plaît. J'en ai une Rio Food, j'en Je ne sais pas pourquoi, je ne une sais pas pourquoi il me met en deux fois, mais bon voilà. C'est pas grave, tu le vois bien. C'est pas grave, t'as juste poussé bébé en dehors du layout. Par J'ai un contre. message comme quoi Roll20 ne marchera plus après du 25 avril. Ouais, pareil. Par contre, Mehdi, il est toujours dans le layout, Ça marche déjà plus mal. Ça marche déjà Bon. plus maintenant, alors. Je vais me remettre sur Roll20, donc, hein, parce que ça marche toujours. Ouais, mais à un moment donné, ton faux profil, il va dégager sur truc. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, ville. Donc, vous voyez Tom, vous? Parce que moi, je le vois pas, moi. Moi, je te vois. Non, je vois pas la webcam, mais c'est pas grave. Ah ouais, il me semblait bien. Ah si, voilà. Merde. C'est la connexion. C'est pas grave. Ça, je vois pas mon petit homme. Attends. Faut cliquer sur lui, alors l'envoie sur la webcam là. Non, quand je clique dessus, on voit pas. On voit pas l'aperçu, mais Attends. on voit le. Non mais il y a deux tomes, il faut cliquer sur le Ah là, bon je. tome. Ah en fait, oui, il y a deux tomes, ok. Ouais. Ah là, je le vois. Je suis tout excité. C'est mieux comme ça. Ouais. Oh, montre-moi ta petite barbe. Oula, oula, Ouais, moi je vois toujours pas Tom et c'est ballot. est-ce que tu mets un il y a bonnet de deux barbe tomes, faut pour aller à la cliquer sur piscine? l'autre tome. Pourquoi tu dis ça? Je te demande. C'est chiant quoi, pourquoi ça marche pas? Ah voilà, je vois Tom. Par contre, Ah. Bertrand est toujours sorti Non, mais ça, c'est pas grave. On s'en fout. Bertrand, il est couché dans son divan en train de se branler, je suis sûr. Ah ouais, je suis C'est ça bien. les mouvements. Et c'est ça que Ous se croit obligé de manger des céréales pour qu'on n'entende pas les bruits de Il s'est Bertrand. entraîné à Je porter sens des des tables. indications et tout le reste. Bon, allez, on Aussi. continue à jouer, comme ça Oui. je me termine bien. Ben, pour le Alors. moment, nous, on est bien protégés. Hein, donc ça va. Alors.
Ville, tu vois au bout du couloir, donc dans l'obscurité, tu crois voir la silhouette d'un homme en train de chanter, enfin de faire une espèce d'incantation, chanter comme ça. Fais-moi un jet en. Non, on va dire que tu le sais, hein, tu fréquentes des prêtres depuis suffisamment longtemps pour te rendre compte que ça a l'air d'être un chant religieux. D'accord. Et au moment où tu regardes, tu vois en fait qui arrive. Du coin du couloir, par ici, tu vois une espèce de grande créature qui fait plus ou moins 2,5 m de haut, Il y a des gros tentacules comme ça. Oh. qui est de forme humanoïde. C'est Gator, C'est la bite de le Gilles. Hey, c'est pas censé te faire rire, Malo. C'est la bite de Gilles. Le gars qui me décrit que Toulouse, quoi, il me fait. Bonjour, bonjour Toulouse. Ah oui, c'est vrai, c'est par Spider aujourd'hui. Oh merde, je m'étais trompé. J'en connais qui vont vraiment crever, quoi. Enfin, j'en connais surtout Oh! un. Ben oui, forcément, moi aussi je le connais. Moi je suis à l'abri là. Donc tu vois arriver ici, en fait, une créature de humanoïde de plus ou moins 2,5 m de haut, quelque chose comme ça, assez balèze, et qui a l'air de faire trembler le sol à chaque pas. D'accord. Comme ma vie. Bon, Toujours là dans l'obscurité. discrètement, toujours en regardant en direction de ces de nouveaux personnages, est-ce qu'ils ont l'air de se diriger vers le couloir, vers là où je suis? Le prêtre regarde dans sa direction. Il me voit? Il me regarde moi? Ben, il regarde par là. Oui, il te regarde toi, parce que je te rappelle qu'il y a deux torches juste là où t'es, même si t'es au coin. Et Ah que donc tu n'es plus ma fille alors. tu vois la tête qui dépasse du couloir. Et tu n'es plus invisible. J'essaye de contrecarrer ces chants religieux en faisant des. Non, mais. Donc Non, mais là, t'as pas compris, hein. C'est Cour Forest maintenant, hein. donc Non, il je vois bien faire. Et le petit, tu peux pas m'avoir. Parce donc, que c'est non, pas. mais... Tu donc il peux te pas, regarde moi. toi et la créature se tourne vers le couloir où t'es. Parce que c'est pas D'accord, avec. donc à ce moment-là, je n'attends plus, hein, Ouais. et je monte les escaliers. C'est Cour Forest là, tu vois. Parce que c'est pas avec les crolls que tu as sur ton front que tu vas te faire passer pour une boucle d'or, hein. Ça c'est sûr maintenant. D'accord. Donc, tu remontes. Comment tu remontes les escaliers, dis-moi. Bah, déjà, je vite, mais lentement aussi. Tu vois, comme quand tu veux rester le plus discret possible et le plus digne possible dans la fuite. Tu vois, un peu? Il se fout à poil, il s'enduit de beurre et puis il glisse comme un serpent le long des escaliers. Non, parce qu'il doit les remonter. Bah oui. Donc tu remontes, tu prends un peu de temps pour le faire. Les autres à l'arrière, qui sont toujours dehors, vous voyez, Ville qui remonte des escaliers. Ouais, j'espère qu'il va courir dans le sens où on lui a dit de courir. Mais moi, je les cherche du regard, tu vois. Je les cherche parce que je sais pas si ils sont à l'abri, s'ils sont cachés, si. Oui, on est caché là où t'as dit, hein, cours dans l'autre sens maintenant. Non, mais là, il n'y a personne qui me suit. Je veux dire, tranquille, à l'aise. Fais-moi un jeu de perception, s'il te plaît. Il n'y a personne qui te suit. Non. T'as le T-Rex qui te suit en criant Rovaguk. Tu entends faiblement derrière toi des bruits de ferraille en train Derrière moi? de s'entrechoquer contre quelque chose. Des bruits de ferraille derrière moi dans les escaliers? Qui vient de derrière toi, oui, dans les escaliers. Faut que je te le fasse? Vieux cuivre, vieux plomb et vieille habille. Non mais, attends, là, il faut être plus grinçant. Vieux cuir, vieux blanc. Et vieille mamie. Vieille casserole. je sais pas si c'est une bonne idée de me retourner, tu vois. Donc, je vais courir cette fois, vu que je suis à l'extérieur, tout droit, tu vois. Donc, comme ça. Je Mais vois. genre tout droit, pas vers nous, quoi, tu vois. Et nous, on Ouais, s'est planqué où là là? comme ça, et je me retourne pour voir si quelque chose est sorti. Les autres qui vous trouvez derrière, plus ou moins cachés, vous voyez Ville sortir du souterrain et courir droit devant lui, la peur dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites? Je On se me cache plante. très très très. Mais on est où nous là-dedans? On est Tu vois? là, mais on doit aller plus haut là-bas comme ça.
Encore plus loin. Ouais, on se taille, hein. On se taille, mais dans la direction radicalement différente à nous. Genre, on remonte, là. On remonte vers le nord. Les trois, faites-moi un jeu en perception. Perception... Moi, je perçois qu'il faut que je m'ataille. C'est sûr. Perception. Moi, je fais rien de plus. Ah. T'as plus 7 en perception, toi. Ouais, c'est pas comme ça qu'on fait un D20. Ah, si, mais c'est pas dans le bon chat. Voilà, pardon. Oh la vache. Ah, il est parfait. Moi j'avais fait 17. Moi j'avais fait 17, mais lui il fait 20 carrément. Isel, tu entends vaguement venant du couloir qui descend, enfin du souterrain, tu entends vaguement des espèces de. Rudium, tu entends ça également, mais en plus de ça, tu entends comme si de la ferraille grinçait. Contre un matériau comme de la pierre. C'est un crossover. On est dans Silent Hill. C'est pyramidal. Comment il part en couille, je dis. Fouillons. Ok. Donc, vous voyez ville qui s'enfuit vers le sud. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous entendez ces bruits? On court au nord, nous. Nord. Pourquoi le nord? On va faire ça de façon individuelle. Isel, qu'est-ce que tu fais? Il faut que la bête suive. Non, mais je ne sais pas déplacer mon personnage, là, moi. Si tu peux. Ben non, je ne sais pas. Moi, je vais... Tu vois, en fait, je suis là. On voit mes trucs là. Oui. Tu me vois? En fait, je cours vers où là où il est marqué Namor, là où il était marqué Namor. Oui, okay. De telle manière que je vois quand même un peu par la haie si j'observe bien. Ok. Brigitte, la haie. Rudium, toi qui as entendu ces bruits épouvantables, qu'est-ce que tu fais? Donc, il est à quel niveau maintenant, ville? Il est là où il y a le V. Ouais. Pour l'instant, Isel n'a pas encore bougé. Hein. Vous faites toutes vos actions en même temps. Moi, je serais d'affaire de. Moi, j'aime bien ville, quoi. Je vais suivre ville, mais en courant parallèle avec lui. Donc, je me dirige vers le sud, mais tout en courant, en essayant de courir en parallèle avec lui, en essayant d'avoir de contact avec ses yeux pour voir. Non, en parallèle. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Il reste sur sa ligne. Oui, mais il t'a mal placé, là. Oui, parallèle, je reste sur ma ligne. Hein. Ok. Il reste sur la ligne IMR, là, mais voilà. Il est IRM. J'essaie de voir ce que Ville. Si Ville me voit. Ville ne fait attention à rien, il court droit devant lui. Ah, mais bon. Nage droit devant toi. Minsk, tu vois Isel et Minsk. Isel et Rudium en train de se faire le mal. Juste pour rire, je partirais bien à l'ouest, moi. Toi, tu n'as rien entendu, par contre. Aïe, 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 aïe. J'en vois un qui part par là, l'autre qui part par là. Il n'a rien entendu, le mec. Je voyais tout le monde qui se bat. Fais ce que tu veux. De toute façon, comme dans tout Bunny Hill, on va finir par se croiser. Le jour où il faut faire front commun face à l'ennemi, les gens se dispersent. Je comprends pas. Ah non, moi je suis avec toi. Bah, c'est le syndicat ici, hein. Front commun, l'autre. Mais est-ce qu'il y aurait un bosquet à l'ouest, mais genre un truc, un beau bosquet où je pourrais vraiment bien me planquer dedans? Oui, genre monter dans un arbre, quoi, tu veux dire? Mais non, pas dans un arbre, je veux vraiment me foutre dans un gros fourré. il va s'en foutre dans un gros fourré. Il se trouve qu'il y en a un, justement, qui se trouve à une vingtaine de mètres à l'ouest. Bah je vais par là. Il court à l'ouest. Je cours là-bas. Tu cours hors écran, on s'en fout. Tu cours par là-bas. Ville, tu cours pendant combien de temps? Bah,
Une heure. Je vais chercher un endroit où me mettre à l'abri, fortement. Donc, je sais pas quel est l'abri le plus proche de moi. En fait, vous vous rappelez que pour l'instant, vous êtes à l'arrière d'une bâtisse qui a pris feu. Et que vous pouvez peut-être vous planquer quelque part derrière un vieux mur à moitié dégringolé, ce genre de choses, quoi. Mais je vais me mettre à l'abri, comme je t'ai dit, derrière le premier truc que je vois, mais de sorte aussi à pouvoir regarder derrière moi pour voir encore une fois si quelque chose est sorti ou pas. Dis, et moi, je peux encore faire quelque chose, moi, aussi. Non. Ça dépend, t'es gentil ? Non, t'es pas gentil. Si, je suis gentil, moi. J'ai couru à me planquer, et en fait, j'ai toujours la baguette de ville, donc je vais me faire sur moi-même un sort d'invisibilité. Sur toi-même ? Oui. T'as genre le sort coûte 100 PO, quoi. T'as pas peur. Je m'en fous, c'est pas ma baguette. Ok, bah, tu te fais un sort d'invisibilité sur toi. Ça verra rien. Et tu es planqué près du nain. Je suis quand même... Non, oui, c'est ça. Oui. Erudium, tu continues à courir vers Ville. Tu vois Ville qui se planque, en fait. Bon, on peut pas les faire partir pour trop loin, parce que ça va pas aller être chiant. Qui se planque derrière... ça, c'est chiant... Nanana. Se planque derrière un espèce de petit muret comme ça. Minsk est dans un bosquet. Et toi, on va dire, Rudium, tu trouves également un petit muret quelque part par ici. Je ne peux pas aller près du même muret que Ville. Tu peux essayer. J'essaye. Donc. Oh là 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 là. Mais dis que tu le fais discrètement alors. Tu arrives en fait à te planquer derrière le muret. Et juste à ce moment-là. Ceux qui regardent vers l'entrée, vous voyez sortir du souterrain. Vous voyez d'abord une tête, puis un corps, puis des jambes. Et vous vous rendez compte en fait que ça a tout l'air d'être une espèce de statue en fait. Une statue de plus ou moins 2,5 mètres de haut. C'est Golem 13. Une statue qui est-ce qu'il s'avance est il ressemble à Arnold Schwarzenegger. Et qui s'arrête ici. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? C'est un mec avec. C'est une mec avec. David de Michel-Ange, mon vieux. Une très grosse bite. Voilà. T'es content? Donc c'est pas le David de Michel-Ange. Ah, c'est ça le bruit alors. Il a une... Ça fait gong, golong, golong, golong. C'est ça qu'on croyait que c'était. Bon, bref. C'est pas un golem, c'est un trépied. C'est ça. C'est ça que ça fait. Gouroum, gouroum, gouroum. Eurydium, c'est. Déjà, comment ça va? Moi, ça va. Mec, c'est quoi ce truc? Bah, écoute, toi, t'étais tétanisé tout à l'heure. Enfin, je sais pas dans quel état tu étais. Alors, moi, je suis descendu pour un petit peu observer le souterrain, hein, vu que j'avais. Voilà, je me suis dit, bon, maintenant, je sais à quoi ressemble leur piège, tout va bien aller. Sauf que, j'ai vu en fait la pièce d'où sortaient les deux nains de la dernière fois, et qu'un peu plus loin, il y avait un couloir et un piège au milieu. J'ai tenté, malheureusement, de les amorcer, j'ai foiré, et puis j'ai entendu un gars, et là, peut-être que ça va peut-être te parler, mais donc voilà, il y avait un gars qui semblait cantonner des chants religieux, et alors ce truc est arrivé, a tourné le couloir, et voilà. Et voilà, je suis ici, tu es là, et lui, il est là. Nous sommes là. Écoute, vite, je ne sais pas ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Je pense que j'ai eu ce que les alcooliques appelleraient un moment de lucidité. Mais je ne comprends pas. Enfin, c'est quoi cette créature, là? Tu crois qu'elle te poursuit, là? C'est pour ça que tu as pris la poudre d'escampette? Non, je voulais prendre l'air. Mais bien sûr que j'ai pris la poudre d'escampette. Hein. Tu crois que je vais rester face à lui et comme un homme? Mais non, je m'attendais plutôt à ce que tu puisses me dire, tiens, il s'agit d'un truc de telle espèce, son point faible est là, et là visiblement, tu n'as pas idée de ce dont il s'agit, c'est ça? Écoutez, laissez faire la police. Police? Qu'est-ce maître de jeu, j'aimerais bien voir si avec mes compétences, ça s'appelle comment? Non, tu n'as aucune compétence. C'est comme Ville, excuse-moi, mais... J'ai des connaissances en histoire. Non. J'ai des connaissances en histoire et en religion. Oui, vas-y. Oui, bah donc, go. On va pas être utile. Hein,
Donc je dois faire un D20 sur combien? Tu fais ton D20 plus ton bonus. Ok. Plus 2. Donc c'est D20 plus 5. Hop. J'ai rien. Ah. Ouais, et t'en as 2 en fait? Ouais, donc et l'autre c'est plus 4. Ah bah ah, oui, okay. Quand même. Et ça c'était le plus 4, c'était. Oui, bah maintenant tu vas choisir ce que tu veux. Ouais. Non. J'ai 4 et 5. Le 4 c'était histoire, voilà. Le 4 c'était histoire. Ouais. Ok. Historiquement. Tu te souviens en fait avoir lu dans des livres que certaines grandes villes ont parfois, très rarement, employé des statues animées qui servaient de garde. Et tu as souvenir aussi que tu as entendu parler des rumeurs, rien de très concret, que dans certains temples importants, certaines statues seraient capables de prendre vie pour garder certains temples. Oui, ça me rappelle quelque chose. C'est... Toi, t'es toujours en train de courir, hein? Ouais, toi, t'es en train de te cacher et de creuser ta tombe, toi. Ouais. Ville, je pense que je sais ce qu'il faut faire. Bon Jean ou le festin de pierre. Il faut hardiment s'avancer vers la créature et il faut lui dire Klaatu verata nikto. Et elle va se figer. Et c'est toi qui vas être nikto, là. Non, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu te souviens aussi que, d'après ce que tu as lu dans tes bouquins, que ce sont des créatures intrépides qui sont dénuées d'intelligence et qui ont pour seul but, en fait, d'attaquer des intrus et qui ne s'arrêtent que lorsque ceux-ci sont détruits. Donc je dis ça à Ville en essayant de serrer mes fesses pour que, voilà. Ville, je pense qu'on est dans la merde. Et quoi, tu voudrais me dire que c'est une créature d'une certaine manière folklorique? Non, Ville, je veux dire que ce machin, ça va te poursuivre jusqu'à la fin des temps et ça va pas s'arrêter. Tu sais aussi que c'est une créature dépourvue d'intelligence, donc c'est... Enfin, ça, c'est contre Ville, hein. Donc c'est égalité. Hein. Mais la créature est très stupide. Elle a juste une volonté maintenant, c'est de te choper et de faire du canigou avec toi. Quand tu veux dire qu'elle me suit moi? Oui, parce que tu es considéré comme l'intrus. D'accord. Et cette créature, elle chasse jusqu'à la mort l'intrus. Alors, tu connais la fable du tortue de la lièvre? Je connais la fable de la tortue et du lièvre, oui. Ça commence par Cours Forest. Non, mais du coup, là, pendant qu'il me raconte ça, est-ce que la créature, elle se dirige vers moi ou est-ce qu'elle est toujours sur place? Tu vois qu'elle est en train de regarder à gauche, à droite, en fait, et qu'elle essaye de repérer une cible. Elle nous a pas vus. Elle est stupide, la créature. Donc, à mon avis, si on arrive à la semer, on devrait pouvoir se débiner. J'aimerais bien faire aussi, parce que là je suis pas à côté d'eux, les mêmes jets en histoire, mystère et religion. Mais tu n'as rien vu. Hein. Parce que tu es Je vois pas moi la bête. Tu es dans un fourré et devant toi il y a une grande haie. Ah oh, putain, je vois encore rien. Ok, j'attends. Ouais, donc ça m'étonnerait en étant en train de te palucher dans un fourré que tu consultes ta livre d'histoire, mon vieux. Est-ce que. Est-ce que nous, on sait où sont partis les deux autres? Oui, Isaël, on l'a vu partir. Plus ou moins. Vous avez plus ou moins une idée de vers quelle direction ils sont allés. Est-ce qu'entre Minsk et nous, c'est découvert ou est-ce qu'il y a encore des ruines où on pourrait éventuellement essayer de se faufiler pour se regrouper? Il y a quelques ruines à gauche et à droite et tu estimes qu'il y aurait moyen avec... l'adresse nécessaire, c'est ça, d'arriver à vous rejoindre. Ville. Oui. Faut qu'on se regroupe pour réfléchir à notre prochain plan d'attaque. Est-ce que tu penses que tu serais capable de retrouver Minsk et lui faire partie de ce qu'on sait?
Je pourrais éventuellement me charger de cette entreprise, mais ce serait prendre une sorte de risque inconsidéré. Si la créature devait me trouver, je l'emmènerais avec moi vers mine, ce serait moche, quoi. Ça c'est vrai aussi. Est-ce qu'il y a moyen de s'éloigner encore ou est-ce que c'est le même type de danger qu'on courait? Enfin, je veux dire, si on sort de la cachette qu'on est maintenant, est-ce que c'est le même risque? Ça dépend dans quelle direction vous vous dirigez. Bah, dis-moi, Rudium, la créature est faite de pierre? Je suppose que c'est une espèce de golem. C'est une statue, c'est une espèce de golem. Oui. C'est pas un golem, donc c'est pas fait que de pierre. C'est-à-dire d'être un mélange de pierre, de métal. Et de bits. De bits. De pierre, de métal. Est-ce que ça veut dire que c'est une créature qui rouille? C'est-à-dire d'être. Tu vois ça, tu n'en sais rien du tout. Ça a surtout l'air d'être oui, comme un golem, mais un golem composite, quoi. Pas un golem de terre, mais un golem de. Enfin, c'est une statue animée, quoi, en gros. La géante papier, quoi. Est-ce que. Dis-moi, Rudium, j'ai une petite idée. Vas-y. Est-ce que toi. Juste, j'aurais besoin d'une petite confirmation avant. Est-ce que cette créature est capable de courir? Est-ce que cette créature est capable de courir? Je regarde. Non, c'est un truc lent, non? Supposément. C'est la tortue de la lièvre, c'est un truc lent et. Ah, c'est pas si lent que ça. C'est une vitesse normale, en fait. C'est pas spécialement rapide, c'est une vitesse normale. Moi, je suis plutôt rapide, on peut dire. Ouais. Non, quand même oui, pas. T'es plutôt rapide. Donc, et t'as le bonus que tu peux courir sur un terrain accidenté. Ouais. Ok. Rudium, j'ai une idée, j'ai un plan. Vas-y. Je vais, si tu dis que je suis l'intrus, je vais jouer l'appât. D'accord? Ok. Pendant ce temps, toi, tu vas regrouper les autres et tu leur expliques la situation. Ça va. D'accord? On a un avantage ici, c'est que si je suis l'intrus et l'appât, elle va me suivre moi et vous pourrez alors du coup prendre le temps qu'il faudra pour vous en charger. Ok, bah, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je trouve ça une très bonne idée parce que bon, moi... T'as pas l'air de t'emballer pour ma santé quand même. Je sais pas, je pas ça, jouer. Je vais attendre quand même à quelqu'un qui me dise « Non, t'es fou, tu ne risques pas ta vie pour ça. » Non, t'as l'air de plutôt bien le prendre. Non, justement, j'ai dit... Oui, mais fais attention, parce que, hein, voilà quoi, tu sais bien. Alors, je le touche sur son avant-bras, et je le garde dans les yeux. Fais quand même attention à toi, n'est-ce pas? Alors, Knut, il y a mon appareil de détection qui me dit que ça n'a pas l'air crédible. Attends, parce que là, basiquement, est-ce que j'ai pas un sort que je pourrais lui balancer sur la gueule qui pourrait être bénéfique pour lui? Question. Ah, mais non, mais qu'est-ce qui te reste comme sort? Bah, je sais pas, je t'en. Plus rien, c'est ça le problème. Ouais, c'est vrai qu'on avait. Il reste plus grand-chose hein, pour vous battre. Pas un sort d'engouement, un sort de courage. Non, un sort justement, un blessing ou un truc comme ça, quoi. Attends, je sais pas. Alors, un Toxeren Ray, ta bénédiction solaire, mécanisation d'énergie pour blesser les morts vivants. Là, ajouter... une source ouais. Un sort d'endurance ou du Viagra, quoi. C'est les trucs pour les morts vivants. Sinon, t'as les oraisons. Stabilisation, on s'en fout. Lecture de la magie. Tout ce que je t'ai Non, t'as rien de spécial en fait. J'ai rien de spécial. Bah écoute, c'était bien. Bonne chance, hein. Allez, bisous, hein. Okay, non, mais attends, avant que tu y ailles. Avant que tu y ailles. Où est-ce qu'on essaie de se regrouper? Parce que. Bah écoute, ici, moi, ce que j'aurais dit, c'est je vais la tirer vers moi et à chaque fois tenter de l'esquiver en essayant de faire en sorte qu'elle elle me garde comme cible, quoi, tu vois. Oui, mais je veux dire, une fois que tu es assez loin avec, basiquement, à moins que tu ne grimpes pas sur un arbre. Hein, parce que non, ça n'aurait pas d'intérêt. Je veux dire, en plus, tu as vu la taille qu'elle fait, non, je vais pas. Parce que là, tu vois, elle te cherche, elle t'a paumé quelque part. Oui. Donc maintenant, tu vois, si elle te voit à nouveau, elle va te suivre. Donc si tu réussis à la semer, elle va peut-être à nouveau s'arrêter et se mettre en mode recherche. C'est pour ça que je dis que je vais faire en sorte de rester toujours dans son champ de vision, tu vois, pour qu'elle puisse continuer à me suivre. Mais alors, moi, je vous laisse vous organiser, du coup, une fois que c'est fait. Dès que tu la vois en route vers moi, tu peux y aller et organise au plus vite. Du coup, organisez-vous au plus vite pour commencer à élaborer une stratégie d'attaque, j'ai envie de dire. D'accord. D'accord. Ce que je voulais savoir, c'est que où est-ce qu'on peut se retrouver? Parce que si tu la tires
vers avec toi. Si je te perds, ça sert à rien, quoi, tu vois. Ouais, non, non, vous allez pas me perdre, t'en fais pas, je vais rester ici dans le collimateur. Hé, où vous allez? Hé, oh, comme là, dans Shrek. Prends-moi. Non, je serai dans le collimateur. Donc Ville, bon, qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je vais partir sur la droite. Sur la droite? En marchant dans un premier temps, ouais, sur la droite, tu vois, là, je suis caché, Radium est à ma gauche, moi, je vais aller sur la droite, en marchant. Et en allant de plus en plus vers la droite pour voir déjà si la créature, en me voyant, se dirige vers moi. Bah, c'est vers l'est, quoi. En fait, ce n'est pas un simple golem, c'est un golem plus un qui est doté d'une intelligence. Alors, est-ce et que... Et vélo. Il un vélo. Non, il... non, par contre, il a un monocycle. Oh putain. Mais, donc, est-ce que tu fais... Est-ce que tu essaies d'être discret ou pas? Non, non, j'essaie pas d'être discret, mais là, vu que je me dis que ça va être un concours d'endurance, je vais économiser mes forces, quoi. Donc là, je marche. Okay. Parce que je vois un petit peu... Il sort son déguisement de danseuse brésilienne. Et je me dis que dans un premier temps, si je marche, elle va pas être nécessaire de se mettre à courir vers moi, tu vois. Vu que depuis tout à l'heure, elle marche. Je me dis, Elle ne te voit pas. Tu te trompes. Pas. Elle ne me voit pas. Non, oui. Elle n'a pas l'air de te voir en tout cas. Et quoi, et elle n'a pas l'air de te voir en tout cas. J'entends pas parce qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps. Oui. Ce qui est bien, c'est que je m'attendais presque à ce que Pierre répète parce que parce qu'il n'a pas entendu ce qu'il disait, quoi. Et heureusement. Non, en fait, elle n'a pas l'air de te remarquer. D'accord. Elle n'a pas l'air de te voir. Très bien. Elle regarde dans quelle direction? Elle a l'air de regarder un peu partout, en fait. D'accord, là. Alors, du coup, je vais m'avancer un tout petit peu pour voir si ça suffit à ce qu'elle me remarque. C'est-à-dire un tout petit peu. Alors, je vais me mettre... Est-ce que moi, je peux prendre ce truc-là? Non, je ne peux pas. Comment est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je ne sais pas faire de symboles, là? Tu vois, les cercles, les échos pour dire où est-ce qu'on est. Il faut que tu laisses appuyer. Non, pas là, je vais pas mettre là. Tu l'as vu, c'est pas... Je vais me mettre là. Ok. Oh, c'est chiant. Allez. Okay. Genre 2-3 mètres devant moi. Ok. Elle réagit ou elle réagit toujours pas? Tu t'approches lentement et à un moment donné, tu vois la créature qui est dans tes directions, okay. Mais qui a pas l'air sûre d'elle. Tom, pendant ce temps, mais qui a l'air d'être en train d'analyser comme ça. Elle analyse la situation. Du coup, je fais un pas vers la droite et en même temps que je fais ce pas sur la droite, j'analyse le sol. Je cherche en fait quelque chose à lui jeter en pleine face, tu vois. Je cherche un objet. Oui, c'est des pierres qui traînent par terre, il y en a plein. Je prends une pierre, je la saisis et je la balance sur lui, quoi. Fais-moi un jet en toucher. Alors, un jet en touché. Attaque il va faire 5 jets d'affilée pour être sûr. Raté. Putain. C'est quoi, un jet en touché? Il faut mettre quoi pour toucher? Attaque à distance. Donc, D20 plus, plus 6 pour toi. Ouais. Ok. Comment je vais faire ça? Ok, facile. Donc tu lances la pierre, la pierre arrive juste sur sa tête, la pierre se... La créature n'a pas l'air de remarquer quoi que ce soit. Oh, la pierre explose. La pierre, elle explose pas totalement, mais tu vois que... C'est une pierre en grès ou je sais pas, c'est pas très... En faisant... Est-ce que moi j'ai vu tout ça? Tu as vu tout ça. Et est-ce que Ville est assez près pour que je puisse... lui chuchoter quelque chose sans trop gueuler? Non. Bah moi, de toute manière, je m'en rapproche encore un petit peu, tu vois, je fais quelques mètres en avant, 2-3 mètres, comme tout à l'heure. La bête, elle va attendre que tu sois dans ses bras. Elle ne te voit toujours pas. Elle ne me voit toujours pas, non. Ou elle réagit toujours pas. Elle t'a reperdu, en fait. Elle pensait t'avoir vu, et puis...
D'accord. Alors, ce que je vais faire cette fois, c'est analyser la créature. Tu m'as dit tout à l'heure qu'elle avait des parties en pierre, des parties en métal. Est-ce qu'il y a autre chose comme matière? Il a l'air d'avoir sur son torse, en fait, une espèce de gemme qui luit un peu comme ça. Alors là, je me dis, ok, c'est peut-être bon, qui ne tente rien à... qui ne tente rien à rien. J'arme mon arbalète. C'est possible, ça? Je peux faire ça? Oui, tu peux faire ça. Et mon objectif, du coup, c'est de viser la gemme. Donc, j'arme mon arbalète et je me mets en position de tir. Si tu fais ça, le combat va commencer. Mais en me mettant en position de tir, j'analyse un petit peu la créature pour voir si en me mettant en position de tir, est-ce qu'elle réagit plus ou moins? Est-ce qu'elle elle bouge ou pas? Elle te voit toujours pas. D'accord. Alors, du coup, je vais tirer dessus. Je vais armer mon arbalète. Et je dois faire un jet de toucher, du coup, encore une fois. Ouais. Ah, j'ai parfait. Ouais, donc tu fais un crit. Ouh. Tu fais et un crit. Je vise la gemme. Et attends, tu fais un crit et tu fais un double crit. Parce qu'elle m'a pas vu ou quoi? Parce qu'elle est prise au dépourvu, que le combat n'a pas encore commencé. D'accord. Et que tu dépasses de 10, ça c'est en faisant ça. Putain, c'est de merde, c'est bien ça. D'accord, d'accord. Et ensuite, je peux faire un D8. Tu fais ton jet de dégâts. Donc c'est D8, ouais. Et vu qu'elle est prise au dépourvu, il y a aussi un avantage ou pas? Non. C'est pas considéré comme une attaque sournoise. C'est une arbalète, c'est une arbalète en fait. D'accord. C'est une arbalète et il te faut état d'âge, je pense, pour attaque sournoise. D'accord. Bref. C'est pas mal. Donc tu touches la créature. Un D8 plus, t'as pas eu le plus. Tu la touches, il n'y a pas. Tu la touches donc en plein dans la gemme que tu visais. Mm-hmm. La créature n'a pas l'air de remarquer. What? On s'en fout ça. Peut-être que si tu la gemme. Toi tu cours toujours. Moi j'ai fait le tour de l'île et je suis revenu. ok, d'accord, très bien. Enfin, pas très bien, non, mais. Mais tu défonces tous tes carreaux. Non, j'ai de toute manière pas l'intention d'épuiser mon stock de carreaux, donc. Bah, va le ramasser, hein, suite à lancer. Excusez-moi, pardon, hop. Pas tout de suite, vous avez pas besoin de ça, je reprends. Pour faire l'attaque sur l'un, j'ai besoin de ma dague. Si vous voulez bien vous retourner, s'il vous plaît. Alors, je m'approche encore un petit peu de la créature. Tu vois, je suis encore de 3 mètres. Celui-là ne peut pas rouler. Ça, je te jure, okay. La bête, elle va juste attendre que tu t'approches. Ok, cette fois-ci, la créature te voit. Et d'accord, t'es foutu. Et elle te lock. D'accord, elle me lock. Est-ce qu'elle réagit ou pas? Elle te réagit, elle commence à se diriger vers toi. En marchant, en courant, comment est-ce qu'elle... À vitesse normale, c'est-à-dire à la même vitesse que se déplacerait Minsk, par exemple. D'accord. À ce moment-là, Donc le combat commence. Très bien. La musique, peut-être? Ouais. C'est toi qui as l'avantage, donc c'est toi qui va commencer. Alors à ce moment-là, je vois la bestiole qui se dirige vers moi et j'entame mon petit footing, tu vois, histoire de garder la même distance entre elle et moi constamment. Okay. Comme elle mesure deux fois plus que toi et qu'elle court à la même vitesse, t'es foutu. Non mais c'est Bénis qu'il m'aurait fallu, quoi. Ça veut dire qu'en 100 mètres, elle te rattrape. Mais tu vois, je fais des petits ronds comme ça. Ici, il y a un assez d'espace, donc j'essaie de rester là. En espérant et en priant le Seigneur que les autres, vous n'êtes pas encore engagés dans le combat. Ah. Ouais. Donc là, je cours, tu vois, et je garde toujours cette distance entre elle et moi sans jamais rien tenter de fou. Ok. J'essaie en fait de regarder en même temps discrètement si Rudium a quitté déjà la cachette ou pas et s'il a pu se rendre vers Minsk et Isaël. Rudium, tu vois la créature qui commence à chasser ville. Qu'est-ce que tu fais? Mais si moi je bouge, est-ce que je vais être en combat ou si pas? Si tu rentres dans le cercle de combat, Moi je dirais attends peut-être qu'on fasse le tour et que je m'éloigne avec elle, tu vois, et qu'elle soit de dos pour. Ouais, je vais attendre que. Est-ce que je peux évaluer à attends, quelle distance? Hey, please les gens. Ça c'est du Deus Ex mais violent, quoi. Ah non, c'est de la logique. Elle est en train, elle va sur ville, tu peux y aller.
jamais il va je veux dire, jamais tu te lances dans un truc comme ça. Justement, l'objectif c'était de la tirer vers moi. Ouais, mais il sait pas forcément que tu vas dégager avec. C'est pas forcément que ouais, la bête, elle est lente, tu vois qu'elle court pas, donc tu t'en fous. Non, elle est pas lente, elle est aussi rapide que toi, Minsk. Ouais, mais oui, en marchant, pas en courant. Bah, elle se déplace à la même vitesse que toi en combat. Moi, j'en attends juste, en fait, c'est pas du tout le Deus Ex. J'ai fait juste ce que j'avais planifié avec Will. J'attends le prochain round de combat pour que Will s'éloigne avec la créature. Ok. Tu fais quoi? Tu vas par où, Will? Alors, je regarde la carte. Moi, comme je sais toujours pas si Rudium ou pas a quitté sa cachette, et comme j'ai pas envie d'attirer la bestiole vers lui, je vais attirer la bestiole. Moi, je vais courir par là. Ok. Ok. Toujours pas en combat, seul Ville est en combat pour l'instant. Donc maintenant, vu que je vois que la créature me fait... Enfin, la créature me tourne le dos maintenant ou... Non, pas encore tout à fait, presque. Sachant okay. que, Isaël, tu as aussi vu ce qui se passait. Oui, oui. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? J'oserais pas le dire. Mais... je suis en train d'essayer de me remémorer comment on peut lutter contre un golem dans ma tête. Alors, je ne sais pas si j'ai... Est-ce que tu as des connaissances? Ah oui, justement, c'est ça. Alors, j'ai ensuite, bien quelques... tu as des connaissances assez balèzes en folklore et en mystère. Ouais, effectivement. Donc voilà. En folklore et en mystère, mais pas que, hein. Non, pas que. Je suis balèze en histoire aussi. Donc, pourquoi tu veux faire ton jeu? Et en exploration souterraine aussi. Ben, je ferai bien mystère. Ok. Allez, fais tourner les boules. Faut pas trouver la boule noire. Hein. C'est un D20 plus quoi? Plus le truc, c'est ça? Plus ton bonus, ouais. Plus 9, donc. C'est pas plus 8? Non, c'est plus 9. Ah, ok. Oui, parce que t'as gagné 5 en hôtel, c'est vrai. Ouais. Ouais. Voilà. C'est quand même un peu le son. 25. Wow. Ouais. Donc en fait, tu te souviens que ce sont des créatures, donc tu te souviens plus ou moins de la même chose que Rudium, que ce sont des créatures en fait qui sont dépourvues d'intelligence et qui obéissent à un set, un algorithme qui leur dit d'aller tuer les intrus. Et en fait, tu sais également que ce sont des créatures extrêmement résistantes. Et tu te doutes que si la créature n'a pas réagi aux attaques de Ville, c'est parce qu'il n'a pas fait suffisamment de dégâts. Et que ces attaques n'ont fait virtuellement aucun dégât à la créature. Oh putain, attends.